مرحبا مرحبا دونك سمحلي غادي نعرب اون ميم طون جو بارل فرونسي باسكو سي ديال الكونو دونك دابا لا فرونس باش باش يفهموا تا هما دلوج باش حيت ما تعرفش دلوج صافي Salam alaikum. Bon, Hassan Benzin, je dirige une ONG internationale, World and Africa for Investment and Development. L'objectif principal de cette ONG qui est aujourd'hui reconnue au niveau de l'Union européenne, c'est pour promouvoir tout ce qui est innovation, tout ce qui est leadership féminin, tout ce qui est souveraineté alimentaire, tout ce qui est développement de partenariats stratégiques et économiques entre l'Afrique et le reste du monde. Et aussi, un des objectifs, c'est de comment créer des ponts socio-économiques solides et durables entre notamment le continent. Nous sommes présents dans trois grandes zones, notamment l'Afrique, mais quand on dit l'Afrique, c'est également le Moyen-Orient. Il y a également la zone européenne, mais il y a également l'Amérique latine dans un premier temps. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à Meknès, la ville qui accueille depuis pas mal d'années le Salon international de l'agriculture, puisque notre présence ici en tant qu'ONG, c'est de signer un partenariat stratégique, une convention cadre de partenariat entre World and Africa for Investment and Development qui s'appelle WAID et également la société iFarming qui sont spécialisées tout ce qui est agriculture 4.0. Donc on va démarrer la conférence d'ici quelques minutes, où il y a pas mal d'entreprises, chacune est spécialisée dans son domaine. Il y en a qui sont spécialisées tout ce qui est notamment dématérialisation, d'autres tout ce qui est entrepreneuriat de la jeunesse, d'autres dans la filière oléicole sont licitées. Nous allons en parler tout à l'heure. Je suis ravi, ainsi que mes équipes qui sont aujourd'hui en France et un peu partout, notamment que ce soit au Brésil, mais également notamment en Afrique, ravi de enfin notamment consolider et signer officiellement notamment ce partenariat solide et durable. J'ai également le plaisir au nom de WAID en tant que président de cette organisation internationale de procéder tout à l'heure à la nomination officielle de M. Omar Amjadi en tant que directeur agriculture WAID. Parce que pour nous c'est un axe stratégique majeur, tout ce qui est souveraineté alimentaire pour la Afrique d'une manière générale, et le Maroc pour nous c'est un hub de connexion entre l'Afrique et le reste du monde, et nous souhaitons notamment tester ce partenariat au Maroc avant de le démultiplier vers notamment les pays africains qui méritent tant, parce que nous constations hier la réussite de la Chine, nous observons aujourd'hui celle de l'Inde. Il n'y a aucune raison que nous ne pouvons pas réussir ensemble, par contre, de contribuer à la réussite de l'Afrique avec ses potentialités énormes. Un Afrique quand même qui est riche par notamment son patrimoine humain qui pèse aujourd'hui pratiquement 1,4 milliard d'habitants. Et pour rester dans le secteur agricole, 60% des terres arables sont africaines. Et surtout, en termes de patrimoine humain, 35% de la jeunesse mondiale seront africaines d'ici 2050. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons créer notamment cette synergie entre l'Afrique et le reste du monde. Ça veut dire l'Afrique avec notamment l'Europe, parce que j'ai la double nationalité, donc je me sens totalement notamment européen, mais je me sens totalement notamment africain, origine du Maroc, et fier de l'être jusqu'à la dernière de mes neurones. Et comment nous pouvons ensemble, c'est-à-dire créer notamment ces ponts équilibrés entre notamment ces continents qui ont tant de choses notamment à mettre en place pour réussir ensemble et pour travailler l'un avec l'autre
l'autre et pour pouvoir notamment construire le monde de demain d'une manière souveraine et d'une manière encore davantage plus efficace, c'est-à-dire faire des défis que le monde est en train de connaître avec la déréglementation climatique. Voilà à peu près l'objectif, un des objectifs principaux de cette présence ici à Meknès aujourd'hui. Je voudrais également préciser une chose importante, que la Chambre d'agriculture de la région Fès-Meknès, cette belle région notamment agricole dont le Maroc il peut en être fier, c'est aujourd'hui quand même bien représenté à travers son vice-président c'est Abdelali Demri et d'autres notamment membres notamment de cette chambre d'agriculture, mais également nous avons des représentants de certaines écoles d'agriculture, et ça c'est extrêmement important pour donner une connotation et un lancement, c'est-à-dire de l'importance que nous accordons, c'est-à-dire à la souveraineté notamment agricole, à la souveraineté alimentaire d'une manière large. Voilà ce que je voulais ajouter comme précision. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.